Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan the Organizer. Alors, aujourd'hui, je vais faire l'entretien esthétique complet d'une voiture vieille de 10 ans, donc cette Kia Rio, qui est le véhicule d'un de mes amis. Donc, il en est le propriétaire original, il l'a eu neuve, mais elle est fortement négligée. Elle n'a jamais été entretenue correctement, n'aura jamais reçu de detailing, donc l'oxydation de surface, manque de lustre. On va nettoyer toutes les surfaces en profondeur, ce qui veut dire également la décontamination de la peinture, qu'il y a des particules de goudron, des particules de fer également d'incrustés. On va nettoyer les pneus, les roues, les jantes, la carrosserie. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucune protection présentement sur la carrosserie car il n'y a aucun effet déperlant de l'eau. Donc l'eau reste simplement plate sur la peinture et elle est très lente à fuir la carrosserie, signe qu'il n'y a aucune protection présentement. Donc vous allez venir avec moi, je vais vous guider à travers toutes les étapes de restauration et de protection, donc de l'extérieur de ce véhicule. Vous allez voir les produits également. Alors sans plus tarder, allons-y et démarrons l'émission. Alors, bonjour à tous. Prenez le temps de bien vous asseoir et relaxez-vous, car vous allez apprécier donc les prochaines minutes en ma compagnie. Alors, tout bon lavage débute avec l'utilisation d'un savon pH neutre pour le pré-lavage à l'aide d'un canon à mousse. Donc, on mesure environ 60 ml de savon dans ce cas-ci, qu'on ajoute à 475 ml d'eau à l'intérieur du réservoir pour le canon à mousse. On va refermer le canon et agiter le tout afin de bien mélanger le savon et l'eau. Et on va ensuite vaporiser le tout sur la carrosserie à l'aide de ce canon à mousse. Ça va faire un nuage de savon qui va venir encapsuler et donc soulever toute la poussière et la saleté qui est lousse sur le véhicule. Et ceci donc avant l'étape de lavage avec le gant de lavage pour éviter d'instaurer le plus de rayures possible sur la peinture. Donc on vient brancher le canon à mousse, on vaporise généreusement cette mousse ou ce snow foam comme on dit en anglais sur la carrosserie et on laisse agir pendant quelques minutes avant de bien rincer. Lorsque vous rincez la carrosserie, prenez bien soin de rincer également l'intérieur des arches de roue afin d'enlever tout le sel et le calcium et la saleté donc de l'hiver. Et la même chose pour la carrosserie, donc sous le véhicule, car présentement nous sommes environ la mi-avril ici au Québec, au Canada. Évidemment, nous avons des hivers très rigoureux. Il fait présentement 10 degrés Celsius et c'est une journée ennuagée, donc parfait pour le detailing. On va ensuite nettoyer les pneus et les jantes, qui sont les parties les plus sales du véhicule. On commence par vaporiser un dégraissant, donc sur les pneus, et ensuite, on le laisse agir quelques secondes. On va ensuite vaporiser un produit nettoyant pour les jantes, qui contient également un produit nettoyant pour les particules de fer. Donc, ça va réagir avec la poussière de frein. Qui donne cette espèce de poussière ou cette saleté sur les jantes. On laisse agir également. Ensuite, on prend une brosse pour les pneus et on vient frotter. Vous allez voir ici que la mousse, elle est très brune, signe qu'il y avait beaucoup de saleté. Il est très important de nettoyer les pneus avant d'appliquer un dressing ou un brillant à pneus, car on veut qu'il y ait une bonne accroche du produit sur le pneumatique. Donc, il faut d'abord bien les dégraisser, enlever la saleté et enlever les anciens brillants à pneus afin d'avoir une surface bien propre.
On continue à faire des applications jusqu'à ce que cette mousse devienne blanche. Donc, comme vous allez voir, on va rincer, on va réappliquer le dégraissant jusqu'à ce que la mousse devienne blanche. Ensuite, pour les jantes, on va utiliser une brosse à jantes ou vous pouvez utiliser également un gant dédié pour les jantes pour venir ici brosser l'intérieur. Vous allez voir les petites particules rouges ou mauves, c'est signe qu'il y a la poussière de frein a donc fondu et réagi et qu'elle est prête donc à être rincée et ça va donner des jantes extrêmement propres. Alors, comme vous pouvez voir, la troisième application du dégraissant pour les pneus génère une mousse blanche et maintenant les roues sont extrêmement propres. Maintenant, il est temps de laver la carrosserie avec le gant de lavage. Donc, on va encore une fois prendre environ 60 ml de savon qu'on va mettre à l'intérieur de 4 à 5 gallons d'eau. Donc, il est important de suivre les instructions, évidemment, du savon à pH neutre ou du savon shampoing que vous utilisez pour le véhicule pour avoir la bonne dilution. Je vais utiliser un gant de lavage en microfibre. Ici, on utilise un seul seau car aucune correction de peinture ne sera nécessaire. C'est un cadeau que je fais à mon ami. Et donc, le compound et le polissage, c'est beaucoup trop long. On n'avait pas vraiment le temps pour ça aujourd'hui. Mais si vous faites donc les lavages d'appoint sur un véhicule protégé ou en bon état, utilisez la méthode à deux seaux. Donc, un seau avec l'eau qui est propre et un seau avec l'eau savonneuse. Donc, encore une fois, pour minimiser le nombre de rayures que vous pouvez mettre sur la peinture lorsque vous lavez. Ensuite, lors du lavage, toujours travailler du haut vers le bas. Donc, le haut du véhicule est toujours la partie la moins sale. Donc, on débute avec toutes les parties du haut et ensuite, on termine avec les parties du bas. Évidemment, ce sont les parties les plus sales, donc les plus contaminées. On veut éviter d'avoir toutes ces petites particules ou roches qui pourraient venir rayer le haut de la peinture. Donc, toujours travailler de la méthode la plus efficace possible et également la méthode la plus propre. Pour les parties plus difficiles d'accès, comme les grilles, les phares et également les montants de porte, j'utilise parfois une brosse à poils doux. Ça permet d'aller donc dans le détail et c'est ce qu'on appelle le detailing. Donc aller chercher toutes les petites parties et avoir donc un effet ultra propre. On passe maintenant à l'étape de décontamination chimique de la peinture. Donc, on prend un produit contre les particules de fer qu'on vient vaporiser généreusement sur la peinture et on va laisser agir quelques minutes.
Donc, ce produit vient entre autres faire fondre les particules de fer ou la poussière de frein qui est poussée par les roues sur la carrosserie et également toute la pollution industrielle qui se trouve sur la carrosserie. Le produit est généralement translucide, donc transparent, et va changer de couleur pour le rouge ou le mauve, vous indiquant que la réaction chimique a eu lieu avec les particules de fer, comme on voit ici dans le bas de la carrosserie. Donc, les particules commencent à fondre, signe qu'elles vont être enlevées de la carrosserie. On vient ensuite bien rincer la peinture. C'est très important de bien rincer après cette étape pour retirer tous les produits chimiques. Et ensuite, on va passer à la prochaine étape de décontamination, qui est la décontamination mécanique, qui se fait généralement à l'aide d'une barre d'argile, également appelée clay bar en anglais. Et il y a également des avancées, donc des nouveautés dans le monde de la barre d'argile. On peut maintenant avoir des chiffons d'argile ou des gants d'argile, comme celui-ci, comme vous pouvez voir, qui est plus pratique. Car les chiffons d'argile ou les gants d'argile, si vous les échappez au sol, vous pouvez simplement les rincer et les réutiliser. Alors que la barre d'argile, si vous l'échappez au sol, vous devez la jeter. Lorsqu'on utilise la clé barre, il est très important d'utiliser un lubrifiant à barre d'argile. Et dans le cas d'un gant d'argile, il est très important de d'abord l'utiliser sur les surfaces vitrées pour faire le break-in, comme on dit, du gant d'argile, donc pour bien le préparer ou l'apprêter avant de toucher à la carrosserie. Et profitez-en donc pour également faire vos vitres et le pare-brise surtout, car oui, même les vitres ont des particules ou des contaminants incrustés qui peuvent gêner donc la performance des essuie-glaces lors des intempéries. Et pour la peinture, donc, on fait des mouvements de haut en bas et de gauche à droite. Aucune pression n'appliquée, on y va très doucement. Laissez l'argile faire le travail pour vous. Et nous allons faire un close-up. Ici, vous allez voir de plus près le son que ça génère. Vous allez voir toute la contamination que la carrosserie avait. C'est comme du papier sablé. Lorsqu'on termine cette étape, vous allez voir, la peinture sera extrêmement lisse et donc prête à recevoir les étapes de protection. Après les étapes de décontamination, on procède au rinçage final du véhicule. Donc, prenez le temps de bien rincer le véhicule afin d'être certain de retirer tous les derniers contaminants possibles ou encore les résidus des lubrifiants à barre d'argile. Pour essuyer le véhicule, j'utilise des chiffons de séchage en microfibre, donc soit gaufrés ou également des twisted loops, donc des loops qui sont twistés, comme on dit en anglais. Allez-y très délicatement sur la peinture, absorbez un maximum d'eau possible. Et pour les endroits plus difficiles d'accès, comme les seuils de porte, les fenêtres, les grilles, les calandres et les phares avant et arrière, j'aime bien utiliser un souffleur à air, donc c'est de l'air pulsé qui est chauffé et également filtré. Et ceci facilite donc le séchage afin d'avoir une carrosserie bien sèche avant de procéder aux étapes de protection. Également, maintenant, on va passer à l'étape de préparation de la peinture à l'aide d'un IPA ou alcool isopropylique. Donc, c'est un mélange qui vient retirer les derniers contaminants ou les dernières traces de doigts ou la graisse ou encore les huiles de produits de polissage comme les compounds ou les polish. Dans ce cas-ci, on n'a pas procédé à la correction de peinture car ce n'était pas vraiment nécessaire pour cet exercice. Mais si jamais vous procédez donc au polissage de la peinture avec vos polisseuses, il est crucial de retirer les huiles de polissage avec un IPA afin d'assurer la bonne accroche de l'étape suivante qui est la protection, donc soit la cire, le salant à peinture ou la protection céramique. Donc il est très important que ces produits s'accrochent à une couche de peinture ou de vernis qui est vierge. Maintenant vient l'étape de protection. Donc vous avez le choix d'appliquer une cire à base de Carnauba, un salant à peinture synthétique ou
une protection céramique. Dans ce cas-ci, on va utiliser un scellant spray à base céramique. Donc, c'est une technologie hybride, très répandue maintenant, très populaire, car c'est extrêmement rapide à appliquer. On vapore sur un chiffon microfibre. On applique en mouvement de haut en bas ou de gauche à droite. On laisse sécher quelques minutes et puis on vient essuyer avec un deuxième microfibre propre et sec. On parle ici d'une durabilité d'environ 6 à 8 mois de protection. Vous allez voir d'ailleurs à la fin l'effet hydrophobe de l'eau, donc l'effet déperlant. Et également les propriétés auto-nettoyantes grâce aux céramiques. Donc le véhicule est beaucoup plus facile à laver lors de lavage d'appoint. Protection UV intégrée, rehaussement du lustre, bel effet déperlant, aspect très lisse à la peinture. Bref, beaucoup d'avantages à appliquer de la protection. C'est très important pour protéger tout le travail que vous avez fait. Très important d'utiliser un nettoyant pour vitres de qualité qui est sans ammoniac, donc qui est sécuritaire d'utilisation sur des pellicules teintées au besoin. Donc, on nettoie toujours les vitres à l'intérieur et à l'extérieur. Moi, j'utilise la méthode de la boîte. Donc, je commence par l'extrémité des fenêtres, comme vous pouvez voir, et je travaille vers l'intérieur. Ceci empêche d'avoir des stries et donne un fini parfait. Également, puisque nous avions passé la claye, donc sur la surface vitrée, la surface elle est extrêmement lisse. N'oubliez jamais également de nettoyer les balais d'essuie-glace. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de saleté et de gras et d'huile qui s'y accumulent, comme vous pouvez voir ici. Et ensuite, on applique, il est possible d'appliquer, c'est-à-dire un protecteur ou un protectant pour les vitres, afin d'avoir un effet déperlant, plus sécuritaire lorsqu'on conduit dans la pluie. Et donc, l'eau va déperler beaucoup plus rapidement et ça facilite le nettoyage des vitres, évidemment. Donc, suivez les instructions, encore une fois, du scellant à vitre que vous appliquez afin d'utiliser la bonne méthode. Mais ça donne un bel effet et donc une sécurité, une meilleure visibilité lorsque vous roulez dans les intempéries. Pour les moulures de plastique ou de caoutchouc, on applique un dressing qui a également de la protection UV et ça vient restaurer l'aspect d'apparence neuve et noire donc de ces moulures, comme vous pouvez voir ici. Beaucoup d'oxydation de surface à cause des rayons UV du soleil, donc on vient restaurer ici cette apparence neuve aux moulures de plastique. Idem donc pour les pneumatiques, on applique un dressing ou un lustrant à pneus de qualité. Donc un qui est à base d'eau, généralement c'est ce que moi je préfère, évidemment car moins de picots noirs sur la peinture et ça donne une belle finition, une belle touche de finition à un travail de dur labeur, de detailing et ça donne cet aspect neuf et propre aux pneumatiques. Alors maintenant, sans plus tarder, allons voir les résultats finaux.